Bonjour, je vous aime. Quand je me rapproche comme ça, j'ai un pif. La pifance, la pifance. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est une vidéo sur les mauvaises notes. Sujet qui me concerne énormément. Mais juste avant de commencer, je voudrais faire des dédicaces à Hilal, Cyrine et Nesrine d'Argenteuil, Sofia Nouri de Metz, Chazia et Camélia de Vauréal, Angelo Brugère et Luca Castegines de Toulouse, Veia Maxime de Corrèze et pour finir, Anna Gouja du 94. Merci les amis. Pour commencer cette vidéo, quelque chose que j'ai compris là à 24 ans, si tu veux des bonnes notes, entoure-toi des bonnes personnes. C'est comme quand tu veux réussir dans la vie. Faut s'entourer des bonnes personnes. Aïe, un bic. Du coup, il y a l'exercice 1 peut-être. Allez, on avance. On a 7 exercices, on a toujours pas commencé. Toi frérot, ouais, on est dans les temps là, t'inquiète pas. Ok, j'ai répondu à la question A, réponds à la question B s'il te plaît. Question B, calculer l'indice de l'aspère. Ouais. Aspérateur. Donc là, j'ai pas fait. Mais en fait, t'es bête, toi. Mais non, parce que t'es venu travailler avec moi pour qu'on avance ensemble. Ouais. Mais en fait, tu m'avances pas là. Tu me ralentis. Tu me freines. T'es un frein. Mais déjà, pourquoi tu commences par l'exercice 6 alors qu'il y a l'exercice 1 avant déjà? Et ça fait une heure en fait, tu me poses les mêmes questions. Viens, on travaille. Viens, on avance. Vas-y, c'est carré. Eh, hey, t'inquiète pas, tout va être fait en temps et en heure. On va avoir une bonne note. Frérot. 1 hour later. Ok, donc moi, c'est bon là. J'ai fait 4 exercices. T'en as fait combien? Non. Non, mais en fait, faut travailler. Non, parce que sinon en fait tu travailles pas avec moi. Je vais donner mon frère. Fous, toi, moi j'ai une fierté, frère. Tu me parles de, tu veux pas me faire mon exercice? Eh frère, t'es pas content, c'est pareil. Moi je suis venu pour que tu m'aides aussi. Maman, parle. Maman, est-ce que tu vas travailler correctement et tu aides mon fils? Tu casses d'ici que Starry n'a pas besoin des freins dans sa vie. Non, mais tu travailles pas. Non, mais tu veux pas travailler. Viens, mon frère. Tu veux pas travailler. Viens. Tu veux pas travailler. Tu veux pas travailler. Tu veux pas. Tu fais lui-même, tu veux pas travailler. Pourquoi tu travailles pas? Tu restes pas ici pour freiner les gens, tu te casses. Allez, j'ai pas besoin des gens comme toi. T'es ici que pour foutre la merde, sinon tu fais une mélange de retombées. Allez, casse-toi. Je veux pas te rentrer ici. Allez, dégage. Elle veut pas travailler, elle veut pas avancer dans sa vie, elle a un frein. Ah non, mais ça vole pas haut, donc ça vole pas haut, tu ne voles pas haut. Ça sert à rien, c'est un frein à ton apprentissage. Alors moi là, j'ai un message à faire passer au prof particulier, voilà. Du coup, je disais qu'une fois tracée ta ligne médiane, tu auras donc le cosinus multiplié par la tangente, mm-hmm, qui nous fera du coup le résultat tant attendu. Ok. Du coup, quand tu feras ta géo, ce sera dessus. T'as eu un petit bug. Pardon. Ça va? Ouais, ça va. Donc, je disais, une fois tu pourras faire ta géo, tu pourras vraiment tout enchaîner quoi. Il n'y aura aucun souci. Mais à ce moment-là. Normalement, si je fais tout ça là, j'ai 20. Oui, bien sûr. Oh, ça y est, il est 30, il va falloir que j'y aille. On a fini l'heure, donc je me suis arrangé avec ta maman, je lui ai fait un petit prix, hein, 70€ l'heure. 70€? D'accord, ok. Donc voilà. Bah écoutez, je vous tiens au courant pour le contrôle. Bien évidemment. Merci. Je te laisse finir du coup, hein. Oui. Allez, merci. Fahad. Merci. À la prochaine. Merci. Oui, au revoir. Voilà, c'est gentil. Merci beaucoup pour les courage. Oui, merci. Merci. Je vais mettre au soin de vous. À la semaine prochaine, hein. Au revoir, madame. J'espère que la star va cartonner. J'espère aussi. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Il est top ce prof. 1 week later. Alors, un contrôle? Oui, j'ai récupéré mon contrôle. J'ai récupéré mon contrôle, tiens. Il est trop pourri ce prof. 3 sur 20, je suis choqué. J'ai payé 100€. 100€ les cours, c'est catastrophique. Hein? C'est qui? Bonjour. Bonjour, je vais te boxer, c'est toi. Rentre ici. Tu fais les cours à mon fils, il te passe 100€ et il a 3 sur 20. Calmez-vous, madame. Tu dégages, te prends tes lunettes, tu te casses, prof. Pas de prof particulier. Même la poubelle, elle veut pas de toi. Allez, dégage. Ah, je suis choqué, m'arnaqué. Je suis victime d'arnaque, je vais me suicider. Mais je suis vraiment passé par là, ça veut dire que ma mère Miskina a payé un prof particulier, wallah, il servait à rien, claqueuse. Attention, il était intelligent, mais il me faisait rien comprendre et moi j'étais là, oui. Surtout en maths. Tu sais quand on t'explique quelque chose, des fois tu dis oui, je comprends, oui, mais t'as rien compris. Escroc, tu es un escroc. Vous savez mon rêve pour réviser c'était quoi? Regardez. Mais moi j'en ai marre. Là, c'est quoi cet ordinateur? J'ai une calculatrice. Mais alors calculatrice, tu peux réviser avec là? Non, moi j'aime pas, je peux pas travailler avec ça. Ouais, je t'en supplie, viens, on va acheter le MacBook. Ah, je suis choqué, MacBook 4000€. Non mais je te jure, je te rembourse. Oh là, je t'en supplie. Maman, j'en ai besoin toute ma case celle-là. Je le veux trop. Vas-y, tout à l'heure, peut-être on va au magasin, on va voir. Peut-être on va voir. Vas-y. Il va me ruiner. Cholestérol de merde. Si t'as pas un doctorat, je t'en boxe dans ta tombe. Merci, maman, merci. Elle t'a fait rire. Cartonné dans les études, sinon t'es mort. Ah, tu vas faire des bisous comme ça, je crois t'as remis la coupe à la maison. Mais si, ça pour moi, c'est la coupe à la maison, ça me défole ou quoi? Je suis trop content. J'ai travaillé, c'est cartonné avec ça, tu vas voir. Oh, je vais faire des bêtes de trucs, doctorat.
Calme-toi, arrête d'être excité, arrête, calme-toi. Je vais travailler tout de suite, là, tout de suite, je travaille. T'as rien travaillé, hein. Eh, j'ai pas investi dedans 4000 euros pour rien. Je te le dis. Il est magnifique. Je vais travailler un petit peu avec dans la chambre, comme ça je me concentre. Ah, tu vas réviser dans la chambre, c'est ça. Va réviser dans la chambre. À tout de suite. Bonne révision. Vas-y, va réviser. On va voir si je lui fais confiance, on va voir si je lui fais confiance ou si il va me trahir. On va voir. Je vais aller sur Netflix parce que tout le monde m'a dit achète un Mac pour regarder sur Netflix. Je vais pas quand même faire que réviser dessus. Si entre les mains de Norman, je suis qu'un observateur. Norman est un... Qu'est-ce que tu fais? Ah, je t'ai cramé. Ah, mais non, j'ai travaillé là, je fais pas. Je t'achète un Mac, toi tu révises pas avec. Mais je vais travailler avec, pourquoi tu dis ça? Je suis en train de regarder des films. Mexique ou là je sais pas qu'est-ce que tu regardes. Déjà c'est pas Mexique, c'est Netflix. Ah là, corrige, je vais te boxer. Bon, je vais te poser des claques dans la gueule, tu vas voir. Passe-moi le Mac. Non, vas-y, passe-moi le Mac, je le rends. Je pas. Tu le gardes pas, je le rends dans le magasin. Vas-y, on emprunte tout et après on rentre. T'as cru que c'était la bibliothèque, ça ou quoi? Qui fait 2 heures, elle m'a déjà repris le Mac. Mais arrêtez, wesh, ça on l'a tous fait. Genre, tu dis, je veux un Mac, je veux une tablette et tout pour travailler et tout. Au final, Netflix, les jeux, les réseaux sociaux, YouTube. Qu'est-ce qu'on a tous mis cette carotte? Il n'y avait pas de Mac avant. Il y a que mon père, il avait un ordinateur portable, mais on n'avait pas le droit d'entrer dedans. Tu connais, frère. Je connaissais le mot de passe quand il était pas là. J'ai effacé après tous les historiques. Ni vu, ni connu. Les parents qui utilisent cette technique pour nous motiver, franchement, bien essayé. Bien essayé. Les enfants, asseyez-vous par terre. D'accord, papa, on s'assoit. Oui. Écoute, ouvre tes oreilles. Je vais expliquer des choses car beaucoup de personnes elles n'ont pas compris. Il faut travailler pour réussir, nous donne la vie. Moi, quand j'étais un petit corpori, j'ai travaillé bien. Pour moi, j'ai toujours travaillé bien à l'école. Après, j'ai devenu architecte. Après, j'ai devenu ministre. Voilà, j'ai intéressé dans les politiques. On m'a proposé beaucoup de projets pour devenir président. Mais j'ai refusé les gens qui portent l'ail. C'est des connards, des cacabouris. Ouais, voilà. Pourquoi t'es au chômage? Ta gueule! Je suis pas au chômage, car je suis sage comme une image. J'aurais voulu dire qu'il est sage comme une image. Ah ouais, il a vraiment dit qu'il était sage comme une image. Oh. Je suis gêné. Les enfants, venez, vite, traînez pas avec lui, vous allez vous dire bête comme lui. Ta gueule! T'es ne critique pas devant des gens qui font... Reste ici, bordez pas, j'ai pas fini. Quoi? Ferme ta gueule si tu tiens à l'intelligence, on serait pas dans les HLM, dans la merde porée. On serait sur les Champs-Élysées. Tu mérites pas les Champs-Élysées, tu mérites la merde ici, les HLM. T'es poilu, va te raser. Je vais boxer! Non mais sérieux. À quelle heure toi t'as failli être président? Stop et Hambouk, expliquez-moi. Et j'espère que je vais pas sortir des disquettes comme ça à mes enfants. Je pense qu'on en rajoute tous un petit peu. Le président, non, Hadi, c'est. Ce que je déteste, c'est à la fin des trimestres. Quand tu dois ramener ton bulletin, tu dois le montrer à ta mère. Il y en a toujours un, il est plus bon que l'autre. Oh, ça fout. Alors les bulletins, tiens mon bulletin. Alors, c'est qui a les meilleures notes? On va voir les résultats. C'est pas un truc de ouf, hein, mais j'ai fait des efforts quand même, etc. Histoire 8. Tout comme moi, histoire c'est dur. Faut apprendre les dates par cœur. Tu sais pas raconter les histoires? C'est dur, moi je t'ai claqué au sol comme d'habitude. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, 17, voilà, 17. On va comparer. Cholestérol anglais 15. Ouais, j'ai. Et français, il a combien? 8. Ah, pourquoi? T'es british? T'es américain? Elle est jamais contente. Tu réussis mieux l'anglais que le français? C'est un cassos tout à l'envers. T'as des bonnes notes, t'es jamais content. Comprends rien du tout. Normalement tu gères le français et tu rates l'anglais. Non, toi c'est l'inverse. Regarde mon français. Vas-y, c'est pas grave. Voilà, le ouais, français 17, voilà. Anglais 13. C'est raisonnable. Voilà. Ouais, je suis au collège, c'est normal. C'est facile, je vais me suicider ici. Si je vois encore une note boring. On fait des efforts et on les va pas récompenser. CPS 13. Tu sais pas courir là? C'est rien. Non, mais c'est même pas ça, moi j'en fais de la gymnastique. Je suis choqué. J'ai vraiment chié un cassos. Des bêtes comme ses pieds. C'était de la gymnastique, c'était claqué. Ouais, 25. Non, c'est bon. Voilà, c'est claqué. Il est fort, plus fort que toi partout. Tiens, ton putain, je signe pas des notes catastrophiques comme ça. Tu démerdes, j'ai rien à foutre. Vas-y, je me casse. Allez, dégage. Tu prends ton putain et tu vas dans ta chambre. Je vais pas te voir ici. Il est claqué en sol nul. Tiens, c'est très bien. C'est très bien, travail, c'est bien. Tu peux m'acheter la Play, s'il te plaît? Non, j'achète pas la Play. Mais voilà. Maman, t'avais dit si je travaille bien, tu m'achètes la Play. Ouais, mais t'as pénalisé, le cassant, ce qui est normal, t'as pénalisé. J'ai un peu plus tard, mais... Non, j'ai rien à foutre, voilà. Il est bête, tu es pénalisé comme lui. Voilà, t'as qu'à l'apprendre un petit peu. Voilà, y'a pas d'entraide, pas de solidarité. Arrête de pleurer, arrête de faire ta victime. Arrête. À cause de toi, on pourra même pas avoir la Play. C'est pas de ma faute. Tu sais pas travailler comme tout le monde, c'est difficile. C'est difficile, tu crois au lycée, c'est facile, tu verras tant que tu seras au lycée. Vas-y, arrête de dire de la dé. En plus, je suis sûr que c'est un pâtissier Pythagore, espèce de bête. C'est un rappeur? Un rappeur? Ferme ta bouche. Dégage de mes affaires. Dégage. Vite, allez, va là-bas.
cet enfant. Mais c'est pas de ma faute. Arrête de me regarder, ferme ta bouche. Ah mais j'ai toujours été moyen en fait, toujours la moyenne, juste ce qu'il faut. En plus on sort tous cette disquette à nos petits frères et sœurs. Non mais moi quand j'étais petit c'était plus dur que toi. Est-ce que vos parents des fois ils étaient complices avec vous quand vous appreniez un contrôle? Moi ma mère elle savait tout. Je mets quoi? J'écris quoi ici? Si t'as pas une bonne note, je te boxe demain. Prof d'histoire qu'est-ce qu'il a dit? Si t'as pas 14-15, tu passes pas, tu redoubles. Oulèle que je te file anti-sèche tout de A à Z. Guerre mondiale c'est quand? 2002. Non c'est pas 2002, c'est 14-18. Non, non c'est 14. Tu caches bien dans la trousse. Tu caches dans la trousse, tu ouvres quand la personne qui te regarde. Et tu triches avec personne parce que les gens c'est des jaloux. Ils vont te balancer en bas, tu vas voir zéro. La guerre d'Algérie c'est quand? 94. Oh, elle m'a dit 1994, je suis choquée quand elle parle de la guerre. J'ai oublié, c'est bon, j'ai oublié. 54-62, je te boxe, ça c'est par cœur, c'est à zéro sur ça, je te massacre. J'écris quand même, j'ai pas confiance. D'accord, note-le, c'est bon. Normalement tu tombes sur ça, si t'as pas 24, je te boxe. J'espère que je vais avoir une bonne note, je vais réussir à tricher. 1 hour later. C'est le lycée. Oui? Oui, c'est la maman de cholestérol, ouais, de Fadel. Ah, c'est impossible. Non, c'est pas mon fils, il est pas comme ça. Non, il triche pas. Arrête de mentir, je vais vous boxer tous un par un. Ah, je parle pas avec vous. Hey, tu me dis pas que tu t'es fait cramer? Oui, je me suis fait cramer, mais je te jure, j'ai fait attention. Comment tu t'es fait cramer? Elle s'est pas trichée. Vas-y, toi, arrête de parler avec moi, là, tu te sers à rien. Ah, pardon, j'ai oublié. Ça y est, ça fait 7 fois L2. Pourquoi tu triches pas facilement comme les gens? Moi, j'avais doctorat en triche, on avait pas de téléphone, on avait rien. Bébé, voilà. Moi, quand j'ai dit un petit coco comme ça, j'ai mais qu'est-ce que tu racontes, petit caca, je sais pas quoi? Vas-y, va là-bas. Fous le seum, t'es même pas triché. C'est bon, faire pas mec, commencez pas à vous faire mal à la tête là. Ouais, c'est bon, parlez pas comme moi. Claqué en triche. Bien sûr, je vous incite pas à tricher. Révisez bien. Sortez pas vos téléphones. 5 ans, vous passez pas votre bac ou votre brevet si vous trichez. Vous pouvez même plus passer le permis. Puis voilà, la famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre pire note depuis le début de l'année. Là, en plus, on arrive à la fin du premier trimestre. Et dites-moi aussi, c'est quoi votre moyenne générale pour l'instant. Eh, faut que vous ayez tous 14. Hein. Bon, après, je sais, il y en a, ils ont des difficultés. Je fais trop carré 14, mais moi, j'ai eu 14 de moyenne qu'en 6ème. Premier trimestre. Tous les autres trimestres, ça s'est dégringolé. Ça partait dans tous les sens. 10, 12, 11. Ah, laisse tomber, j'ai jamais dépassé 13. Puis n'oubliez pas de liker, commenter, partager, m'ajouter aussi sur Instagram. Les gens qui mettent des pouces vers le bas, la vidéo, elle a pas commencé quand je la mets en première. Ouais, je vous jure à quoi? Vous le dites pas? Wesh, ils ont mis des dislikes, ils ont même pas vu la vidéo. Non, là, y a trop de rageux. Faut que vous arrêtez, hein, vous. Hein. Je vais vous bloquer. T'es un rageux. N'oublie pas, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube juste ici. Hein. Tu cliques, tu t'abonnes. T'actives la cloche aussi, comme ça, tu loupes aucune vidéo. Merci l'ami, je vous kiffe. Ciao. Sinon, de ta vie. Va te raser, t'es sale, tu mérites. Ah voilà, je suis KO.